Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à My Little Pony et on va continuer... Oh putain merde, attends. Effectivement, j'ai encore oublié de faire ça. Voilà, c'est déjà mieux non? Allez, donc du coup on va se faire les poneys. Donc on va finir les 5 étoiles des poneys, voilà. Donc de Flim, de Fancy Pants, Flamme et Caramel, voilà. Donc on va faire 4 poneys, donc c'est déjà bien. Et puis voilà, donc du coup bon, on va commencer par Flim. Donc hop, on va faire des pommes. On va faire des pommes. Et puis voilà, donc du coup on va se finir tout ça. Et puis petit à petit on va réussir à finir le jeu à 100%. Puis après, une fois qu'on l'aura fini, bah là, malheureusement, bon, on se quittera pour une bonne fois pour toutes. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, vu qu'il n'existe pas d'autres jeux comme ça, eh ben, on risque pas de faire autre chose. Hein. Alors, oui, tout à fait. Bon, bah ça, cette fois-ci, on commence déjà un peu mieux. Hein. 240 et tout, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai qu'elles sont espacées quand même, ces connasses, hein. Bon, on a fait du 300, c'est pas mal. On commence bien, on fait du 300, ça passe bien. Donc voilà, donc du coup on va se faire ça. Et puis on va le mettre à 5 étoiles, allez c'est parti. Un peu d'étoiles avec Monsieur Flim, si je me rappelle bien. Donc du coup, on a du 50, parce qu'on est des fous. On a du 90, 100, même du 100, on a du 100, parce qu'on est encore des fous. Ah ouais, non mais petit à petit Non mais ça va, alors franchement on est bien, tranquille. En espérant que ça bug pas. Puis ça passe bien petit à petit, hop, on augmente. On augmente un peu tous ces XP. Et puis hop, on est nickel. Alors, du 220, machin, tout ça. 260. Ouais, ça va, 270. Ah, j'ai pas eu le temps de faire plus. Non, mais ça va pas mal, franchement. On augmente bien comme ça au moins. Ça, c'est cool. C'est parti pour faire du ballon avec Flim. T'as intérêt à être un bon, parce que sinon, tension. Allez Flim, utilise ta magie là, histoire d'être bon. Non, tu veux pas? Tu fais un max de score et tout. Non, tu veux pas? Bon, jusque là, on a mal commencé. Mais on peut se rattraper un petit peu quand même. Hein. On sait jamais. Regarde, jusque là, ça passe bien. Hop là, bon, voilà, nickel. Allez, encore une fois, et encore une fois, et on court une fois, et encore une fois. Non mais ça va, on peut y arriver. Alors juste comme ça, pour info... La semaine prochaine, donc pas cette semaine-là, hein, mais la semaine d'après, je ne suis pas là. Et du coup, je vais essayer la semaine prochaine de préparer la semaine d'après, tu vois le délire? Pour qu'il y ait des vidéos, même quand je suis pas là. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Parce que étant donné que j'ai une fois sur deux du BO3 à faire et une fois sur deux du Resident Evil 4 à faire, ça fait quand même ça fait pas mal de vidéos déjà là-dessus. Après... Il y a une vidéo par jour de Clash Royale et après il y a une vidéo par jour de MLP. Donc vous imaginez bien que ça va être un petit peu dur quand même à gérer tout ça. Mais je vais essayer de le faire. Ah bah tiens, du coup on a la 5e étoile de Flim et ça c'est cool. Et voilà, on a 5e étoile de Flim. Et maintenant on va faire Flamme. Allez, c'est parti pour 5e étoile de Flamme avec quoi? Avec des pommes, voilà, avec des pommes, avec une récupération de pommes. Donc si je me rappelle bien, c'est des Zapapples. Voilà, la dernière fois j'arrivais pas à retrouver le nom, mais je crois que c'est Zapapples. Comment ça s'écrit, ne me demande pas, je le sais pas, hein, ça, je sais pas comment ça s'écrit. Mais en tout cas je sais que ça fait des Zapapples. Voilà, les Zapapples. Peut-être des Zapapples. Non mais franchement c'est peut-être des Apples. Des Zapapples. Ouais non, je sais pas comment ça s'écrit. Nous on a fait du 320, voilà, nickel, ça passe bien. Moi j'en suis sûr que ça fait un très bon surnom, Flaflam. Salut, je m'appelle Flaflam, voici mon frère Fliflim. Ah, c'est génial. Enfin bon, donc du coup, hop, non mais, bon on s'en fout, de toute façon on est là pour jouer, voilà, tu fais de la merde, tant mieux pour toi, tant mieux. On est là pour jouer de toute façon, non mais bon. Mais d'un côté, il a beau avoir fait de la merde, putain on fait un score de ouf là. Ah ouais, mais pour la merde qu'on a fait, putain le score de ouf. Ah, je pensais pas que c'était possible. On a frôlé 500 avec... Enfin, pourtant, on a fait de la merde. Ah, c'est cool, c'est cool. Donc, normalement, on a la 5e étoile. Attention, 3, 2, 1... Oh, c'est magnifique.
Oh là là, wouhou! Allez, c'est parti, cinquième étoile. Et voilà, on a la cinquième étoile de qui? De Flamme, de Flaflam. Du coup, maintenant, on va faire je sais plus qui. Donc, nous voilà avec je sais plus qui pour faire des pommes. Enfin, pour ramasser des pommes. Voilà, donc je sais plus qui, un personnage très sympathique. Non, je rigole, il s'appelle Fancy Pants. Si je me rappelle bien, pants c'est pas pantalon, non? C'est pas ça. Bah, je sais pas. Enfin, le mec fait si pants. Un peu nul comme nom, non? Bon. Du coup. 360. Ah, elle a beau avoir un nom de merde. J'en suis sûr, pants ça veut dire pantalon, j'en suis sûr. Pants. Parce que paint, ça veut dire pinceau, je crois. Mais pants, ça veut dire pantalon, c'est obligé. Non, j'en suis sûr. Et c'est parti, Fetty Pants. Voilà, donc du coup, on est avec Fetty Pants. Fetty Pants. Ça veut bien dire pantalon. J'ai regardé, ça veut dire pantalon. Eh, j'en étais sûr, Pants, pantalon. Ah, j'en étais sûr. Après, je me suis dit, bon, peut-être que Pants, pantalon, ça se ressemble. Du coup, ça me fait croire que... Mais... Non, j'avais raison. Voilà, non mais bon. Je suis désolé, mais bon, le nom est quand même vite fait à chier. Hein. Non mais bon, le gars il a même pas de pantalon et il ose dire quand même qu'il a un pantalon chic. Non mais bon, ta gueule. Non mais le mec quand même il a pas de pantalon et puis il s'appelle pantalon chic. Non mais bon, il y a un moment, faut arrêter les conneries quand même. Bon voilà, hop, casse-toi. Merci beaucoup. Oui, oh, attends, on fait du 400. Hein, il a beau avoir un pantalon chic, qu'il n'a pas d'ailleurs, on fait du 400. Et à mon avis, la cinquième étoile avec... Attention. Oh, culé, va. Gros connard de pantalon chic de mes deux. Et voilà, on a la symphonie du poney. Non, je... Pas mal, non? Ouais, vas-y, tais-toi. T'y connais rien, de toute façon. Donc, on a la cinquième étoile de Fetty Pants. Et puis voilà, ça, c'est cool, ça. Bah du coup on a fait la cinquième étoile pour Fancy Pants, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas très grave, j'étais dans mon délire. Donc du coup, caramel, on va faire caramel. Ça me donne faim, je sais pas pourquoi. Je rigole, petite blague à part. Voilà, donc on va faire caramel, oh, des pommes. Putain, mais tout le monde est avec des pommes, bordel de merde. Bah cette fois-ci on fera pas les pommes, on fera les étoiles. Eh, c'est parti. Eh, c'est parti, on va faire cette fois-ci des étoiles avec, comment il s'appelle, caramel, voilà. Donc, du caramel avec de la carotte, ça passe nickel. C'est bon. On se calme. Voilà, donc du coup, trombone, si je crois bien. Je suis pas sûr, hein, je suis pas un professionnel. Donc là, c'est un Granny Smith. Non, c'est un gramophone. Donc, une pomme. Ah, ça peut être serviable, hein. On sait pas. Donc là, normalement, c'est un coffre à jouer. Non, c'est un cadeau. Oh, désolé, je me suis trompé. Voilà, c'est bon, ça arrive. Hein. Donc, un petit cadeau. Attends, on se concentre. On peut y... Oh, putain. J'aurais pu faire du 300, j'aurais pu le faire. Non, je sais pas, je le sentais, tu vois. J'ai senti le 300, c'est voilà. Un peu comme le film, c'est... Ok, voilà, donc du coup, maintenant, on va faire... de bubble. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens... que je vais pas réussir à voir l'étoile. Non, mais je sais pas, c'est... Ah bah déjà, ça commence bien, tu vois. Déjà, là, tu vois, ça commence bien. Ah ouais, non, mais attends. Regarde, hop là, ouais, bon... Voilà, donc du coup, j'espère que je vais avoir l'étoile, mais ça m'étonne. Ça m'étonnerait un petit peu, je sais pas. Bon. Ah, c'est possible, hein. C'est... Bon, s'il fait de la merde comme ça, ça risque pas. Bon. Voilà, mais... Ah, putain, mais nique ta mère! Oh, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Si, tu te... Non, mais regarde, non, mais... Tu dois faire un score de ouf et toi, tu fais yesh. C'est pas normal, ça, hein. Moi, je vais le dire à la police, hein. Non, mais tu vas voir... Non, mais je m'en fous. Je vais le dire à la police. Non, je vais le dire. Je vais leur dire, oui, monsieur, il m'agresse. Mais même si c'est pas vrai, je m'en fous. Ils me croiront, bah oui, attends. Ah bah attends, je fais ce que je veux. Regarde, attends, hop. Bon, voilà, non, mais alors là, si on l'a, mais là, on est un dieu, là. C'est pas possible de l'avoir, là. Putain, c'est quoi ce score de merde, là? Et voilà, bah voilà, du coup, j'ai fait de la merde. Voilà, non, mais bon. Voilà, et voilà, du coup, on l'a pas. Toi, mon gars, mais je te fous une grosse paf dans ta gueule, mon gars. Tu me fais perdre mon temps. Ah là là, ce poney, mais caramel, ta gueule. T'es le pire des poneys, c'est un truc de ouf. Non mais c'est vrai le mec, il casse les couilles. Il peut pas faire un score comme tout le monde du 450, du 500. Non, fais bien du 376, bien
pérave et tout. Non, il s'en bat les couilles, le mec, il s'en fout. Il est là. Je t'ai bien emmerdé. J'ai fait ma vie, c'est bon. Putain. Ah, c'est parti pour des pommes pour monsieur Caramel. Qui fait bien chier. Bon, du coup, on est à 60. Oh, si tu fais du 400, mon gars, mais je crois que je t'appelle monsieur. Bah ouais, non mais t'es nul, de toute façon, t'es nul. Tu sais même pas choper une pomme, voilà, voilà, je fais n'importe quoi. Non mais va te faire foutre. Non mais c'est bon, non, tu m'as saoulé. Non, non, mais y a qu'avec toi que je fais de la merde, hein. Y a qu'avec toi, hein. Les autres, je fais des scores de ouf, et toi, bah, tu fais de la merde. Mais bon, et voilà. Non, si tu veux, non, si tu veux. Non mais je m'en fous, de toute façon, je m'en fous. Parce que tu sais pourquoi je m'en fous? Parce qu'on a la 5ème étoile. Et vu qu'on a la 5ème étoile, et ben on est content, tu vois. On est content d'avoir la 5ème étoile. Bon. Du coup, maintenant qu'on a la 5ème étoile, et ben on va se quitter là-dessus. Bah si, on va se quitter là-dessus. Voilà, donc hop. Nickel. Voilà, oui. Ok, voilà, donc du coup... donc on a fait 4 poneys aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. La dernière fois, on en a fait 5. Là, on en a fait 4. Parce que j'avais pas vraiment eu le temps, du coup, bah, j'ai pu en faire que 4. Oh là là. Ça va être chaud, ça va être chaud. Bon, du coup, on monte, voilà. Ah, ça va, là, il fait un bon score, hein. Là, il est content, là. Ouais, bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Il faut toujours qu'il gâche tout, de toute façon. Tu gâches tout, t'es nul. Tu démarres bien, puis tu niques tout après. Ah non, t'es nul. Non, mais il sourit pas. Casse-toi, tu m'as saoulé. Casse-toi, hop, dégage. Je veux même plus te voir. Je veux plus voir ton sourire de merde, là. Tu sais pas jouer. Donc, du coup, on a quand même pas mal de poneys. Donc, on a les 3 premières pages, quand même, qui sont finies. Donc, c'est plutôt exceptionnel. La 4ème, qui est bientôt finie, il nous reste juste 2 poneys. Puis après, ouais, il reste un peu quelques poneys, tout ça. Voilà, bon, après, c'est à finir, quoi. Et après, bien sûr, on ira à Canterlot pour finir le reste. Voilà, donc, du coup, bah, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, un village quand même plutôt bien formé. Plutôt bien formé, moi en tout cas je trouve plutôt bien fait. Et puis voilà, donc du coup, un peu de sous, non, il n'y a pas de sous. Oh, il m'a donné des sous, oh, il est gentil. Voilà, donc du coup, si on veut, pour ajouter des poneys et tout, c'est trop bien. Bon, donc du coup, moi je vous laisse là-dessus. Petit à petit, on augmente les poneys et bientôt on aura fini le jeu à 100%. Et bien sûr, une fois qu'on aura fini le jeu à 100%, vous pensez bien qu'on va trouver autre chose à faire. Donc j'ai quelques mini-jeux en tête, mais ça ressemble pas du tout à MLP. Donc bah à mon avis, je pense que vous aimerez pas. Enfin bon, on s'en fout. Et puis voilà. Du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et comment te dire que bah que je dois y aller. Allez, ciao tout le monde. Ciao.